Le Seigneur Jésus vient maintenant à notre rencontre. Si nous le pouvons, nous nous mettons à genoux. The Lord Jesus comes now to meet us. Let us kneel if we are able to. Gesù viene ora verso di noi. Se c'è possibile, attendiamolo in ginocchio. Persécuté. Pardonne pour ces. Toi, l'innocent arrêté. Pardonne pour ces. Toi, le prisonnier torturé. Pardonne pour ces. Tu, il giusto perseguitato. Innocente arrestato, adoramus te. Tu prigioniero torturato, adoramus te. Tu el justo perseguido, adoramus te. Tu el inocente arrestado, adoramus te. Tu el preso torturado, adoramus te. You're the just one persecuted, adoramus te. You're the innocent one arrested, adoramus te. Tortured, adoramus te. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit-Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, nous voici réunis devant le Saint-Sacrement en la fête du Sacré-Cœur. Le Christ donne toute sa vie, il est présent au milieu de nous. Le Seigneur désire que notre vie trouve sa source en lui, que notre don de nous-mêmes trouve sa force en lui, que notre espérance en ce monde et dans le monde à venir, dans le monde qui est déjà autre, s'alimente à lui dans son cœur, dans le don qu'il fait de lui-même et dans le sacrement de sa présence. Ensemble, recueillons-nous et cherchons auprès de lui la foi, la charité, l'espérance, la persévérance. En ce temps-là,
Jésus prit la parole. « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. » At that time, Jesus said in reply, "Come to me, all you who labor and are burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am meek and humble of heart, and you will find rest for yourselves. For my yoke is easy and my burden light." In quel tempo Gesù disse, «Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite ed umile di cuore. Il mio giogo, infatti, è dolce e il mio carico leggero». Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Alleluia, 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 alleluia. Faisons route avec le Seigneur Jésus, puisqu'il marche avec nous. Let us travel with the Lord, since he walks with us. Poiché Gesù cammina con noi, camminiamo con lui. Oh, marchant vers toi, Seigneur.
D'une homélie du pape Benoît XVI, messe et procession eucharistique. Le cheminement avec le Seigneur, c'est la réalité manifestée par la procession. Ce cheminement est presque comme le prolongement naturel de la messe. En nous déplaçant avec celui qui est la voie, le chemin, par le don de lui-même dans l'Eucharistie, le Seigneur Jésus nous libère de nos paralysies, nous fait nous relever et nous fait procéder, nous fait donc faire un pas en avant et puis un autre pas. Et ainsi, nous nous mettons en chemin avec la force de ce pain de la vie. La procession du Saint-Sacrement nous enseigne que l'Eucharistie veut nous libérer de tout abattement et de tout inconfort. Il veut nous relever pour que nous puissions reprendre le chemin avec la force que Dieu nous donne à travers Jésus-Christ. Ta parole est notre lumière. Seigneur, nous te bénissons. Your word is our hope. Lord, we bless you. La tua parola è la nostra luce. Signore, ti benediciamo. Signore, ti benediciamo. Thank you.
Gesehen, so wie Jesus unser Heiland, er war Gott, doch hielt er nicht an seinem Gottsein. Er entäußerte sich, kam den Menschen, eines jeden Sorgen vor es war zu teilen.
Nous sommes venus à Lourdes en pèlerinage et en cet instant, nous participons à la procession eucharistique en accompagnant Jésus qui marche avec nous. Nous nous préparons à vivre ensemble un moment d'adoration du Saint-Sacrement. Mais qu'est-ce qu'adorer ? Adorer est un commandement de Dieu. Adorer nous fait entrer en relation avec Dieu. Jésus nous enseigne, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras. À lui seul, tu rendras un culte. Adorer est bien un acte de notre esprit qui reconnaît en Dieu son Créateur, son Sauveur et donc le souverain Seigneur de sa vie. Par notre marche, notre prière, nos chants, préparons-nous pour retrouver en nous notre cœur d'enfant, capable de dire à Jésus, mon Seigneur et mon Dieu. Par ton Eucharistie, tu nous donnes l'unité. Seigneur, nous te bénissons. Through the Eucharist, you give us your life. Lord, we bless you. Lord, we bless you. Nell'Eucaristia ci doni ogni bene. Signore, ti benediciamo. Signore, ti benediciamo.
that might have been, God chose you, no other being quite the same. Proclaim his wonder in all places, give praise and glory to his name. Thank you.
aimé le premier. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te bénissons. You who said, I call you friends. Lord, we bless you. Lord, we bless you. Nell'Eucaristia, rimani con noi nel tuo amore. Signore, ti benediciamo. Signore, ti benediciamo. Jésus, tu nous donnes ta vie. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te bénissons. Jesus, you free us. Lord, we bless you. Lord, we bless you. Gesù, tu ci hai amati. Signore, ti benediciamo. Signore, ti benediciamo. Jesus led
sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Nous nous mettons à genoux pour adorer en silence le Seigneur Jésus, présent au milieu de nous. If we are able to, let us go down on our knees to adore in silence the Lord Jesus, who is present among us. Se possibile, ci inginocchiamo per adorare in silenzio il Signore Gesù, presente in mezzo a noi.
Prions, Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption. Toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Toi qui es venu en notre chair, Seigneur, tu es notre espérance. Sufferings. Lord, you are our hope. Tu che hai sofferto le nostre malattie, Signore, sei la nostra speranza. Signore, sei la nostra speranza. Toi qui accueillais les malades, souviens-toi de nous, Seigneur. Souviens-toi de nous, Seigneur. Remember us, O Lord. Remember us, O Lord. Tu che fai parlare i muti, ricordati di noi, Signore. Ricordati di noi, Signore.
Jésus, doux et humble de cœur, Seigneur, montre-nous ton amour. Seigneur, montre-nous ton amour.